Allez, allez, attrapez. Ouais. Regardez, je viens d'avoir le nouveau jeu vidéo de skate d'Olly Von Duck, Les Princes de la Rampe. Oh, cool. Ce jeu bouleverse carrément l'espace intergalactique. Génial. Vas-y, mets-le. Avec Olly, on n'est jamais déçu, c'est clair. Je peux essayer? Oh, désolé. Waouh, tu as vu ça? Incroyable. Waouh, je ne sais pas sur quel bouton tu as appuyé ni dans quel ordre, mais tu as carrément trouvé un code louche. Tu as débloqué un des fondateurs du skate moderne, chez le magicien, plus connu sous le nom de Maître Skate pour les initiés. J'en ai déjà entendu parler, il a inventé le double hélico. Le double quoi? Hélico comme hélicoptère, il se jette dans les airs en tournant à 720 degrés. C'est justement ce saut de barjot que Maître Skate vient de faire dans le jeu. On dit que ce sont des hackers qui ont introduit un code dans Les Princes de la Rampe avant que le jeu soit commercialisé. Et tu viens de le trouver. Angelo, c'est un déblocage historique et tu l'as fait. Tu vas rentrer dans les annales des jeux de skate. Yo, salut les terreurs. Si vous avez aimé mon nouveau jeu, vous allez aimer ma nouvelle équipe de skate. Wow. Je veux en faire partie. Ouais, ça c'est clair. C'est comme si on jouait à un jeu vidéo connecté à la vraie vie. Trop fort. Si vous pensez avoir le niveau, venez au parc aventure, passez un essai. Skateurs et skateuses, venez rencontrer votre futur coach et futur mentor, moi. Olly Von Duck. Yeah. Et votre futur capitaine d'équipe, Angelo. Je me demande pourquoi tous ces minus viennent ici alors qu'ils ont zéro chance de faire l'affaire. Waouh, c'est une nouvelle rampe, hein, Arthur? Si tu penses que je vais te donner des infos sur la rampe pour réussir ta démo, eh ben, Angelo, la réponse est carrément non. Et dire que j'étais prêt à dire du bien de toi à ma sœur après le lapin que tu lui as posé hier soir. Oh. Non, non, non! Je savais que j'avais oublié quelque chose. Mon père m'a tellement mis la pression pour que tout soit installé pour Olly que j'ai complètement oublié mon rendez-vous avec Alvina. Regardez ça. Il faut que tu m'aides, mon pote. Je veux dire, on est pratiquement de la même famille. C'est pas l'impression que j'ai eue tout à l'heure. C'était la pression qui parlait. Allez, sois un peu indulgent, Angelo. Dis-moi ce qu'il y a à savoir sur cette nouvelle rampe. Les endroits qui freinent, ceux qui glissent, ce genre de trucs. Et je verrai ce que je peux faire pour arranger les choses avec Alvina. Angelo, marché conclu. Alors tu vois, la courbe de la rampe est raide. Olly est arrivé. Bravo, Olly. Les amis, j'espère que vous êtes tous venus avec votre meilleur matériel et un état d'esprit au top parce que la compétition pour savoir qui sera dans mon équipe commence tout de suite. Yes. Félicitations, petit. T'es dans l'équipe. Ouais. T'entends ça, Angelo? Super. Merci de m'avoir montré les passages difficiles de la rampe. Pas de quoi. Je ne veux pas gâcher les meilleurs moments de mes amis, mais en tant que futur capitaine de cette équipe, mon ambition est légèrement plus grande. C'est pour ça que je vais faire une des figures de folie que j'ai vues dans le jeu d'Olly. Viser le sommet. Mec, tu viens d'essayer de faire le double hélico? T'es sérieux, là? Comme une attaque de requin. C'était pas un peu trop dangereux comme figure, Olly? Genre dangereux et carrément illégal. Je mets 20 sur 20 pour ton effort, Angelo. Mais elle a raison. Je peux pas laisser quelqu'un de mon équipe faire ce genre de choses. Hein? Désolé, petit. Attends, Enfin, je veux dire, cette figure était dans ton jeu vidéo? Mon jeu? Non, ce sont des hackers qui l'ont mise dedans. Au suivant. Attends, je peux faire autre chose. Donne-moi une autre chance. Ça serait carrément pas juste. Chacun de nous devait passer qu'une seule fois. J'ai raison ou j'ai pas raison? J'ai raison, non? J'ai bien peur qu'elle ait raison, petit. Peut-être l'année prochaine. Pardon, Angelo n'est pas pris dans l'équipe. Il a toujours les bonnes idées et il rate jamais rien. Croot, ça ne peut pas arriver. Oh. Oh, un petit contretemps. Mais la route qui mène au panthéon du skate est pavée de... Oh, d'Odane et de nid de poule. Hé, Angelo,
Tu te demandes pas parfois si quand les nuages te regardent, ils ne disent pas « Eh, celui-là a un air de Minus ». T'es dans l'autre équipe maintenant, pas vrai, Angelo? Comment elle s'appelle déjà? Ah oui, les médiocres. Tu n'as plus qu'à faire de la trottinette. Eh, hey, Angelo, il paraît que t'es une superstar au Nullistan. Oh, t'es vraiment très drôle. C'est bon, Lucie, laisse-le tranquille. Tu sais qu'il aurait dû faire partie de l'équipe. Il est meilleur que nous tous réunis. Toi, Victor, tu nous suis ou tu fais plus partie de notre équipe? T'y crois, toi? C'est elle, notre capitaine. T'inquiète pas, Victor, c'est cool. Vas-y, ne perds pas ta place dans l'équipe. Désolé pour le bruit, Gilbert, mais tout le monde est parti maintenant. Ce n'est rien. Je ne suis pas sorti à cause du bruit, mais pour te donner des conseils. J'ai compris. Je ne ferai plus de skate près de votre pelouse. Qui te parle de ma pelouse? Je veux te parler de skate. De skate? Qu'est-ce que vous y connaissez en skate? J'en ai oublié plus que tu n'en sauras jamais. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, tais-toi et écoute. Répartis ton poids sur la planche, tiens tes pieds écartés de chaque côté et plie tes genoux. Ça donnera plus d'élasticité à ces amortisseurs, chef. Viens, un essai. Wow, génial! Pourquoi tu diriges ton skate avec le pied droit? Tu es gaucher? Non, je suis plus à l'aise comme ça. Ah, ambidextre, c'est ça? Pas étonnant que tu aies tant de difficultés. C'est comme si tu regardais dans un miroir quand tu apprends une figure. Hé, hey, j'avais jamais pensé à ça. Comment vous savez tant de choses sur le skate? J'ai le magicien, ça te dit quelque chose? Vous le connaissez? Et le double hélico? Vous rigolez, je pourrais vendre mes dents de sagesse une fois qu'elles auront poussé pour savoir faire cette figure. Je l'ai inventé. Quoi? Tu as bien entendu, Angelo, c'était moi, maître skate. Ah, je viens de disjoncter là, c'est officiel. Passe-moi ça. J'ai toujours habité juste à côté d'une légende vivante, un des créateurs du skate moderne. Et j'en avais aucune idée. Hé, hey, Gilbert, attendez! Je peux vous appeler maître skate? Non. J'ai le magicien? Non. D'accord, mais apprenez-moi des trucs au moins. Oublie ça! S'il vous plaît, maître skate! Non. Et je m'appelle Gilbert. D'accord, Gilbert refuse de me prendre comme élève. Ça veut simplement dire que je dois le convaincre de mon potentiel avec talent et créativité. Il faut séduire son public, comme je le dis toujours. J'appelle cette figure le mime. Puis, il faut le faire vibrer grâce à une petite nouveauté. J'ai toujours aimé les mélanges de différents styles. Mais un petit clin d'œil au maître est essentiel pour montrer qu'on peut porter le flambeau pour la nouvelle génération. Cette dernière figure s'appelle l'invasion, parce que tes affaires ont envahi ma pelouse. Impressionnant, hein? C'est bon, Angelo, je vais te montrer quelques trucs, mais ça ne va pas être de la rigolade. Vous voulez une assistante? D'accord, d'accord. Mais déguerpissez de ma pelouse. Hein? Prêt à travailler? Bien. De haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. On lustre en douceur et en profondeur. Bien, bien. Oh, des feuilles mouillées, dégoûtant. Je commence à me demander si Gilbert ne profiterait pas en tête. Peut-être que l'entraînement a déjà commencé et que tu ne le sais pas. Les corvées t'aident en fait à avoir plus de muscles pour être encore plus performant en skate. Non. Quand est-ce qu'on commence le skate? Il reste beaucoup de choses à faire. Le garage doit être vidé et nettoyé, les haies taillées. Ça suffit, je m'en vais. Tout ça n'a été qu'une énorme perte de temps. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire revenir. On se voit demain. Oh, et pas un mot sur l'entraînement, à personne. Ah, oui, il me tarde tellement de dire à tous mes amis que j'ai nettoyé vos gouttières. Tout va bien, fiston? J'ai pas vraiment envie d'en parler. J'imagine que si je ne faisais pas partie de l'équipe de skate et qu'un de mes meilleurs amis y était et que mon coach m'avait poussé à nettoyer sa maison, je ne voudrais pas en parler moi non plus. T'as parlé à Lola? Oui. Hé, hey, tu sais quoi? Je pourrais être ton nouveau coach. Merci, papa, mais je crois que je vais arrêter le skate une bonne fois pour toutes. Laisse-moi te raconter une histoire, Angelo. Quand j'avais ton âge, j'étais deuxième remplaçant de l'équipe de badminton. Et je n'avais jamais l'occasion de jouer. J'ai réalisé que je n'étais peut-être pas fait pour le sport et que mon avenir passait par les études. Mais ça ne marchait pas non plus.
Et me voilà aujourd'hui avec une famille formidable. Et je pourrais même jouer dans une équipe de badminton semi-pro. Vous voyez où il veut en venir, vous? Tout ce que je veux dire, Angelo, c'est que parfois il faut persévérer, ne pas baisser les bras, ne pas abandonner, ne pas perdre son objectif de vue. C'est bon, c'est bon, j'ai compris. Oh, je crois que t'as raison, papa. J'ai raison? J'ai raison! Ah, on repart sur de bonnes bases. Maintenant, au travail. Ce genre de travail. Maintenant, tu ne dois plus faire qu'avec ta planche. Il faut qu'elle soit un prolongement de ton corps. Alors fais tout le temps du skate et partout. Désolée, on ne peut pas s'arrêter, on est en plein entraînement. Aujourd'hui, les manœuvres aériennes de base. Enfin, ça y est, le double hélico. Le skate, ce n'est pas que des performances, c'est un art de vivre. On glisse d'un côté et de l'autre. On glisse d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Maître Skate. Je m'appelle Gilbert. On a cherché sur internet et malgré tout ce que vous avez apporté à ce sport, vous avez jamais gagné le championnat de skate. Moi, j'ai toujours fait du skate pour m'amuser et trouver des figures de plus en plus folles. Lorsque le skate est devenu un sport de compétition, ça ne m'a plus intéressé. Ça a enlevé tout le côté plaisir. Désolé, il faut que j'y aille. Ok, pas de problème, maître Skate. Je m'appelle Gilbert. J'imagine que c'est le mauvais moment pour lui demander de participer au concours de skate, tu crois pas? Le mauvais moment, c'est un euphémisme. Waouh, bravo Enzo. Serre-toi ton autre pied, Brice. Super génial, Lucie. Victor, je t'ai déjà vu faire mieux. On compte à fond sur toi pour la compète. Ouais, c'est parce qu'Angelo n'est pas dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Passe à autre chose, Victor le raté. Sois plus calme, Angelo. Tu y arriveras quand tu arrêteras de vouloir faire ton show. Quand ton esprit sera libéré et que tu ne feras plus qu'un avec ta planche. Range ça, c'est pas encore le moment. Oh, j'adore les l'occasion d'écrire un article pour le journal du collège. D'après vous, qui est-ce qui va gagner? Ne les écoute pas. J'y crois pas. Arthur dit qu'il a réussi à mettre de côté 4 places gratuites juste devant pour nous. Il veut vraiment se faire pardonner, c'est trop mignon. Chérie, nous sommes 5. En fait, Lola m'a dit qu'Angelo ne venait pas à la compétition de skate. Je suis pressée que ça commence. Le skate, c'est ma vie. Je sais à quoi tu penses, Angelo. Mais si tu t'inscris à la compète, tu vas briser le cœur de Gilbert. Je savais bien que t'étais du genre poule mouillée et que tu t'inscrirais pas à la compète. Toi et ton équipe, vous n'avez qu'à fermer vos grandes bouches. Oh, excuse-moi, Victor. Je t'avais pas vu. Pas de problème, Lola. Monsieur Victor, on ne pactise pas avec Angenouille. Allez, on doit s'entraîner pour demain. On a une coupe à gagner. À plus tard, les amis. Je rêve où elle m'a appelé Angenouille. Alors là, c'est décidé, je m'inscris. Tu vas briser le cœur de Gilbert. Voilà, je suis inscrit. Ouais, ça y est. Au fait, Angelo, je te remercierai jamais assez de m'avoir aidé pour Alvina. Pas de problème, Arthur. À demain. Où diable est-il passé? Je n'en sais rien. Pas la peine de me le cacher. Tu sais pourquoi il est en retard. Il n'est certainement pas allé s'inscrire à la compétition de skate, ça c'est sûr.
J'ai dit qu'il n'y est pas allé. Tu veux dire qu'il y est allé et qu'il s'est inscrit? Pas vrai? Je n'y crois pas. Pourquoi? Mince, bah où est-ce qu'il va? J'ai fait une boulette, Angelo. Désolée. Molly permet ainsi à de nombreuses femmes. Écoute, Angelo, j'ai remis en état tous les endroits un peu limites de la rampe, à part celui-là hyper glissant juste en bas. Merci encore pour l'information, Arthur. Merci à toi aussi, Angelo. Arthur, je t'ai gardé une place. Juste là. J'arrive tout de suite. Salut, Angelo. Salut, Lola. Salut. Écoute, Angelo, je suis désolée pour... pour tout, d'accord? Tu m'en veux pas? T'as pas besoin de t'excuser, Victor. Tout va bien. Et comme dirait Gilbert... Glisse d'un côté et de l'autre. Glisse d'un côté et de l'autre. Eh ben, que ça glisse, alors. Bonne chance, Angelo. Bonne chance, Victor. Toi aussi, le... Lola? Comment est-ce qu'elle peut me laisser dans un moment pareil? Pas de coach et maintenant même pas d'assistant de coach. Et c'est parti! Bienvenue au premier championnat annuel de skateboard! Souhaitons aussi la bienvenue à nos juges, deux rockers qui sont connus pour détruire aussi bien les skates que les guitares, Michael et Alex Van Slobber. Yeah! Ouais! Notre troisième juge est le célèbre artiste international Damien Bross. Il a conçu de nombreux skates déjà collector. Oui, je vous en prie. Ainsi que cette chance. Ok. Il est temps que la fête commence. Skater, maintenant prenez vos planches. Attends. Ne dis pas un mot, Angelo. Écoute-moi, j'ai un aveu à te faire. Je ne voulais pas que tu participes à cette compétition parce que moi, je n'en ai jamais gagné aucune. Je croyais que vous en aviez jamais. Si j'ai arrêté de pratiquer le skate, ce n'est pas parce que je n'aimais pas les compétitions, mais parce que j'étais trop déçu de n'en avoir jamais gagné une seule. Mais je crois que tu as un vrai talent. Tu as véritablement une chance de gagner cette compétition. Que la force du skate soit avec toi. La compétition se déroule de la façon suivante. Chaque skater va s'élancer sur le parcours et effectuer des figures qui déchirent et qui seront notées pour leur vitesse et leur technique. Carrément pas, tu sais. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici la finale pour les skaters et les skateuses Dolly Van Dunk, Victor. Et pour la force du skate, Angelo. Attendez, qui d'autre aurait pu aller en finale? Allez, Angelo, tu m'embêtes souvent. Souviens-toi de notre devise, Victor. Tous les coups sont permis. Oh, c'est pas ça, Lucie. Ouais, bah c'est dommage. Ça va être au coude à coude. Oui, en parlant de coude, j'ai bien failli me rompre les os au dernier passage. Il y a un endroit hyper glissant sur la rampe qu'Arthur n'a pas... Oh, yo, gardez ça en tête. C'est le meilleur résultat de la journée, quasiment impossible à battre. De nombreux skateurs aujourd'hui ont fait de mauvaises chutes en s'élançant du haut de cette rampe. Il semble qu'Angelo ait décidé de la descendre à toute allure. Moment de s'amuser. Oh, je ne peux pas voir ça. Si je peux, non, je ne peux pas. Angelo est transformé une faiblesse en force. Il se sert de la surface glissante pour réaliser un... C'est incroyable. Carrément magnifique. Pour réaliser un double hélico. Et j'ai l'impression qu'il s'en vire à merveille. Il l'a fait.
Angelo, c'était incroyable. Tu as été génial. La figure que j'ai inventée, le double hélico. Eh, hey, mais cette figure, elle est pas autorisée dans les compètes officielles. Genre, elle est trop dangereuse, quoi. J'ai bien peur qu'elle ait raison. Si j'en crois le règlement en vigueur dans les championnats internationaux, les 720 degrés sont interdits. Angelo est disqualifié. Mesdames et messieurs, cette année, le gagnant de cette compétition vient de mon équipe de skateurs et de skateuses, Victor. Ouais, trop fort, Victor. Angelo, viens me rejoindre. C'est toi qui devrais avoir ce trophée. Allez, Angelo, va sur le podium. Ne sois pas timide, Angelo. Vas-y, Angelo. Va sur le podium. Des questions? Oui, toi? Vous nous apprendrez comment faire un 720? Peut-être. On peut vous appeler Maître Skate? D'accord, pourquoi pas. Mais avant que je vous donne votre premier cours officiel, voici des pinceaux. Vous devez repeindre ma maison.